Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Dokkan Battle. On m'a dit que vous aimiez toujours autant voir une personne poule et rigoler de sa tristesse. Eh bien d'ailleurs à ce fait je vous invite à voir ma précédente vidéo de poule hein, pour ceux qui veulent se foutre de moi avec les petits Piccolo SSR dont ça m'avait littéralement dégoûté. Bref, nous voilà avec Super Gogeta Int et Janemba, deux persos que je ne possède pas bien évidemment, sinon je m'amuserais pas à les poules. Donc sur cette bannière il y a Super Gogeta Int que je n'ai pas, l'Omega Shenron que je possède déjà avec un doublon il me semble si je ne dis pas de bêtises. Et le reste ne m'intéresse pas vraiment. J'ai Freezer Tech, j'ai déjà Super Gogeta, il me semble... Quoi qu'il me manque peut-être un doublon pour l'avoir à 100%, mais il me semble... Soit il m'en manque, soit où je l'ai déjà à 100%, je sais plus. Bref, pour ceux qui me connaissent pas vraiment, j'ai déjà une team Super Pui, une Super Agi, c'est ma principale grosse team. J'ai également une Super Tech qui est en cours de finition, avec le Goku SSJ 3, Super Gogeta 4, etc. Et Super Gogeta 4. Et puis on a également donc une team, enfin j'ai également une team Dragon Maléfique, c'est super aussi, qui bah, je crois est pas mal mais n'est pas montée. Il me semble que j'ai tous les personnages pour faire la team parfaite Dragon Maléfique, bon pas à 100% en termes de doublons etc. Mais néanmoins, voilà, et sur cette bannière, donc nous avons Super Janemba qui a l'air super intéressant en termes de tanking. On a Gogeta Super Saiyan 4 qui là m'intéresse fortement parce que... J'ai cravaché pour l'avoir, mais je ne l'ai qu'en une fois, j'ai aucun doublon, donc j'avoue qu'un doublon de Gogeta Super Saiyan 4, je ne dirais pas non. Et couleur forme finale aussi, le Neo God Leader, qui a l'air tout à fait extraordinaire en termes de puissance d'attaque. Franchement, ça a l'air d'être oufissime. Je cracherai pas dessus non plus, j'avais essayé de claquer, je crois, 150 DS à l'époque de sa bannière, bon, j'ai rien eu, même pas eu de truc du tout. Le Vegeta Intel, pourquoi pas, en Blue Saiyan, il me semble que je l'ai déjà une ou deux fois, donc si j'ai des doublons, pourquoi pas, il me semble qu'il tape fort, si je dis pas de bêtises. Bref, ou alors c'était un autre, je confonds, hein. Je sais plus, Dokkan, je suis comme ça, je m'en vais, ça s'en va et ça revient comme le lundi au soleil. Bon, du coup on va partir sur ces invocations, il reste 55 heures, j'ai pris mon temps, bon je suppose que vous avez déjà suffisamment de youtubeurs de Dokkan Battle à regarder faire leur pool le jour même, donc on va se lancer sur une petite multi-invocation. Let's go! Avec, bien sûr, au bout de 3 multi-invocations, une invocation gratuite. Alors attention, qu'est-ce qu'on a? On n'a absolument rien pour commencer. On a un relâché Rainbow, une transformation Super Saiyan. Super Saiyan 2. Et c'est tout. Bon, allez, c'est parti. Nous avons donc un C17. Ok, c'est moche. Nous avons donc un... Voilà, je ne connais pas. Shizami. Waouh! Yeah! Vegeta GT. Ok, le bon pool des familles. Bon, eh ben on va revenir sur la bannière. On va faire encore à nouveau une petite invocation, cette fois-ci pour 20 DS, qui devrait comporter 5 personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What, 7? Oula. Oula, relâcher Rainbow avec déjà transformation Super Saiyan. Attention, 7 capsules. Allez, nous avons le petit Nappa. Qui sera dans Dragon Ball FighterZ. Oh non, putain, pas lui. Merde. Son Gohan Super Saiyan jeune. SSR AJ. Ah, nice! Personnage de la bannière que je ne possède pas, donc pour la collection, c'est très bien. Oh non! Enfin, oui! Ok, bon. Omega Shenron, que j'ai peut-être même en deux fois, je sais plus, mais bon, je veux pas cracher sur un doublon. À nouveau, le petit Janemba. Ok, deux SSR. Eh, deux SSR en 5, là, faut pas râler. En plus, un petit doublon Omega Shenron. Pour ma team Dragon Maléfique, pourquoi pas. Allez, il nous reste une multi-invoque à 40 cette fois-ci. On y va, on croise les doigts. Let's go. Oh, et c'est un petit Shenron pour nous accompagner. Un relâché, la transformation Saiyan. Au relâchement. Ok.
Allez, le SSR, le SSR. On est parti. Donc, on a le docteur Garo. Ok, on a le petit couleur. Ok, Bardock. Ah non. Oh, je crois que je l'ai pas celui-là. Sangoku Super Saiyan Divin SS. Je ne sais pas du tout si c'est une bonne carte. Aucune idée. Elle est stylée d'ailleurs, avec le petit freezer derrière. GG. Ah non! Et on se retape à nouveau ce Omega Shenron. Bon, bon, bon. Oh, mesdames et messieurs! Ah non! C'est pas le bon. La dépression est totale. Ah. Oh. Crap. Mais en plus, je suis en train de dire des bêtises. Oh là là, celle. Bon bah c'est fini. Je suis en train de dire des bêtises parce que... équipe. Est-ce que c'est... Eh non oui, je dis des conneries en plus. Cet Omega Shenron me sert à rien en fait. Je sais même pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi. Non mais c'est pas le bon. Je le confondais avec lui, mais lui c'est le Lee Shenron Endurance en fait, dont il me fallait le doublon, l'Omega Shenron en physique. En gros, je m'en bats les steaks quoi. Eh oui, non mais du coup. Bon bah, Janemba, je l'avais pas. Donc, au moins pour la collection. Tiens, il y a des cadeaux, ça va peut-être me faire des poules en plus, je ne sais pas. Allez, allez, qu'est-ce qu'on a de beau? Tout recevoir. Je sais, vous êtes en train de vous dire, mais mec, t'as encore un pool gratuit. Oui, je sais, je vais aller le faire, t'inquiète pas. Ok, youpi, on a eu ça. Invocation. Il y a les tickets encore, rien n'est perdu. Bon, on va faire l'invocation gratuite pour terminer. Donc, en attendant, on va faire cette invocation du portail. Allez, un petit super Gogeta un tel et je te pardonne tout. Je te pardonne 1, 2, 3, 4, 5. Je te pardonne tout, je te pardonnerai le... Je te pardonne même les Piccolo SSR la dernière fois. S'il te plaît. Oh la panique quoi, je me disais mais qu'est-ce que c'est? Ah la Célipa. Réservé au jour de retour, invocation de retour. Ah bah je vais le faire, j'avais pas vu ça. On peut le faire, un SSR garanti. Ok. Ah oui, d'accord, c'est carrément une multi-invocation. C18, hop. Frost que je n'avais pas. Oh non, mais sérieux! Casse-toi, Gohan, je t'aime pas, Gohan! Je sais pas s'il est bon celui-là. J'en ai aucune idée. Un petit dégât colossal augmente l'attaque pour 3 tours. Attaque 70%, si peu au-dessus. Je sais pas. Moyen qu'il soit bien, je sais plus, je crois qu'il y avait un Gohan qui m'a dit qu'il était pas mal.
Bon, je vous laisse là, je lirai les commentaires des spécialistes de Dragon Ball me dire si c'est bien ou si c'était pas bien pour les deux personnages. Bon. On avait encore les trucs des tickets ou je sais pas quoi là. Oh, j'ai envie de les faire quand même. Multi-invocation, ça fait des invocations de 5 ou des invocations de 10? Ouais non, ça doit être des invocations de 5, je suppose. Ah, invocation, un grand thank you. Oh, SSR! Oh, Janemba! S'il te plaît, je me recolle pas un Omega Shenron puissance, hein, parce que ça va me redécéder le cerveau, là. Ah non! Je ne peux pas lui en vouloir. Oh, c'est super Sangoten. Sachant que Sangoten est... un de mes personnages favoris de l'univers de Dragon Ball. Sangoten petit. Hein. Je trouve toujours trouvé trop stylé. Une capsule du pauvre. Ah, je fais durer la multi-invoque gratuite, hein, là, je sais bien, c'est compliqué, mais bon. Allez, un sel. Deuxième forme. Brrr. Go! S'il te plaît, s'il te plaît. Oh putain. Ouah, même pas de capsule, rien. Ça sent le pool aussi pourri. Souvenez-vous du premier pool où j'ai eu juste Monsieur Satan. Et rien de plus. Allez, SSJ3, SSJ3. Oh, SSJ3, le gars le demande, il l'a, c'est tout. Allez. On peut le faire, on peut le faire. Gogeta Super Saiyan 4 et Janemba physique force en un seul pool, c'est possible, c'est réalisable, on y croit. Allez, ça fait 2, 3, oh putain non. C'est quoi ce perso? Oh, non! Ça fait 4. Voilà le Vegeta. Bon, ça va, mais bon. Ah non, ça va pas, merde. Je sais même plus si c'est celui-là qui est le bon ou pas. Ou je le confonds sans doute. Bon, c'est pas grave, tu peux encore me donner Gogeta Super Saiyan 4 et avec Vegeta, ça me va aussi. Hein. Allez. Ah non, Paradis, on s'en fout. Allez, fais tout la puissance du Genki Dama là. Bouh. Bon, c'est fini, on retourne sa chimie là. Ah. Mais c'est pas celui-là que je veux. Oui, non mais ok, Janemba, mais j'aurais dû préciser. Bon bah, c'est la tristitude. Ah là 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 là. Ouais, je crois que c'est celui-là, inflige des dégâts immenses, il me semble que c'est le bon. Et bon, bah tant pis. C'est la PLS. Voilà, les vidéos de pool super intéressant. Ah, rien de ce que je voulais. Ni couleur, ni Gogeta, ni Janemba. Il y a le Vegeta, quoi. Mais bon. Bon, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de soirée. J'espère que cette petite vidéo de pool vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous. Moi, je vais aller pleurer maintenant.